Meumeu, la vache qui meut, est une belle vache laitière. Chaque matin, la fermière ouvre la porte de l'étable. Meumeu emprunte alors le chemin pour se rendre au pâturage. Le soir, lorsque sa journée de vache est terminée, Meumeu emprunte à nouveau le même chemin pour entrer à l'étable. Ce chemin, Meumeu le trace avec son passage quotidien de vache se rendant au pâturage, puis son passage de vache revenant du pâturage. Ce chemin, le même chemin, était déjà emprunté par la mère de Meumeu et, avant elle, la mère de la mère de Meumeu. Le dessin de ce chemin avait alors un sens. À l'époque de la mère de la mère de Meumeu, ce chemin permettait de contourner un arbre ou bien encore le rocher sur la droite. À l'époque de la mère de Meumeu, le dessin de ce chemin était parfait pour éviter de tomber dans le trou creusé par le fermier. Aujourd'hui, ce trou n'existe plus, il a été bouché. Pourtant, Meumeu la vache qui meut, la belle vache laitière, Meumeu, la vache qui meut, ariégeoise depuis la mère de sa mère de sa mère. Pourtant, Meumeu ne change pas les habitudes. Elle semble gravée en elle. Jour après jour, mois après mois, année après année, Meumeu emprunte le même chemin et ce, de la même manière que le faisait sa mère et la mère de sa mère. Comme Meumeu, nous sommes des êtres d'habitude. Une fois prises, ces habitudes se rigidifient avec le temps. Elles influencent nos comportements, nos pensées, notre communication, nos émotions. Serions-nous des robots en pilote automatique? Pourquoi continuer à suivre les mêmes schémas malgré les changements autour de nous? Pourquoi nous enfermer dans un cadre rigide, sans voir d'autres perspectives? C'est donc ici que Amaemo entre en piste. Amaemo permet de prendre conscience de ses habitudes, de les observer et de les modifier. Ensuite, libre à chacun de vouloir les changer ou non. Amaemo est un compagnon de route vers le bien-être. Celui du changement vers un mieux, ce mieux qu'il va vous aider à identifier. Meumeu la vache qui meut est une histoire que je racontais à mes enfants lorsqu'ils étaient petits. Je l'ai emprunté le temps de cette vidéo et je les en remercie. Mais je vais de ce pas la ranger dans la boîte des belles histoires.